Aujourd'hui, nous allons réaliser le filet de cola bleu à la mexicaine. Alors, pour cette recette, nous allons partir sur des aromates, des ingrédients et des épices séchées. Dedans, il y a du poivron rouge, du poivron vert séché, des oignons grillés, il y a aussi du céleri, du piment, du cumin, de l'ail, de la coriandre et de l'origan. Du filet de lieu, cola. N'hésitez pas à en mettre. Allons rajouter dessus du vin blanc. Mettre un petit peu d'eau. Vous voyez, comme ceci. Puis, mettez un papier sulfurisé. Vous filmez le tout, vous le faites mariner pendant 3 à 4 heures et après vous le cuisez au four. Un four à 180 degrés et vous réglez à 170 degrés votre four. Le temps de cuisson, tout dépend de votre poisson, l'épaisseur, la taille. Donc par contre, s'il y a de l'exuda, c'est que votre poisson est bien cuit et même trop cuit. À la mexicaine. Dedans, j'ai mis du poivron rouge, du poivron vert, des oignons, puis du céleri. On marchait sur des épices et ingrédients et aromates séchés aujourd'hui. Donc, dans ces ingrédients, il y a aussi du piment, de la coriandre, du cumin, de l'ail, du sel et de l'origan. Une fois filmé, vous le réservez en chambre froide pendant 3 à 4 heures. Pour la marinade, laissez bien mariner, ce sera plus c'est mariné, plus le goût y sera et meilleur ce sera.